Attention! Attention! Deux! Ça fait une histoire, ça fait déjà un temps. Et nous sommes là aujourd'hui, solidaires l'un à l'autre. Solidaires à la patrie commune, solidaires à la famille, solidaires dans les différents corps de l'État, solidaires comme nation et comme peuple. Aguna Honora, qui luttait pendant toute la vie pour que nous capables de gagner un pays qui est meilleur dans la vie, qui est plus agréable dans le pays nous-mêmes, Haïti. Il y a un peu de part qui m'a fait. Je dis bon Dieu merci pour ça. Je dis à c'est tout parler. Bon Dieu rejoigne-moi. Et là, nous tous ensemble. Nous faisons un faisceau la prière pour nous capables de demander à Dieu grâce, pardon, miséricorde pour nous. C'est un monde qui était préparé pour ça. Il était bien préparé. Il était préparé dans la souffrance, dans la prière, dans la méditation, dans la réflexion. Dans les funérailles, nous ne nous contentons pas de prier pour le défunt, nous honorons aussi son corps, qui a été le temple du Saint-Esprit et en qui l'Eucharistie a déposé un gerbe de résurrection. Mais afin de respecter la simplicité dans laquelle le corps du chrétien doit être déposé dans la terre, on doit écarter bien-aimés frères et sœurs, des funérailles, toute ostentation pompeuse, et ne faire aucune différence entre les personnes.
d'une force de caractère vraiment incomparable. Un père de famille dévoué, un ami, un grand homme. Quelqu'un qui vraiment a su tracer un exemple par son comportement noble, et aussi par son amour pour ce pays et son dévouement à ce pays. Il a beaucoup lutté pendant plusieurs années pour l'évolution de ce peuple, pour le bien-être d'Haïti. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de peine que moi et la famille nous disons au revoir. Et moi, personnellement, je suis quand même un peu attristée du fait qu'il n'a pas vraiment tout vu. Ses rêves pour ce pays ne sont pas vraiment réalisés. Mais je sais qu'un jour, Haïti s'en sortira. Nous sommes là toujours à lutter, à se battre. On essaie toujours de se sortir de notre situation. Je sais que ça arrivera. Il a tellement voulu le bien de ce pays. Alors aujourd'hui, mes chers parents, mes amis, les membres du gouvernement, Son Excellence Monsieur le Premier ministre et tous les autres ministres et tous ceux qui sont venus, je vous dis merci, merci du fond du cœur. Vraiment, je pense qu'il aurait été très content de vous voir et de savoir comment vous l'appréciez. C'est quelqu'un de très noble, de très humble ici. Mais sa force, son courage, vraiment incomparable. Il va beaucoup nous manquer, à nous, à la famille. On a beaucoup de peine aujourd'hui. Mais on sait aussi que Dieu l'attend. Les anges, ils sont prêts à l'accueillir. Quelqu'un comme ça, il va directement vers le Père. Encore une fois, je vous remercie d'être venu pour saluer ce grand homme, ce père de famille incomparable, Jean-Jacques Honorat. Merci. Nous sommes réunis ce matin pour rendre un dernier hommage à un homme qui a porté en lui les qualités exceptionnelles d'un citoyen respecté, d'un père de famille dévoué, d'un technocrate éclairé, d'un défenseur acharné des droits humains et d'un homme politique motivé. Comme Premier ministre, pendant la période cruciale de 1991, Jean-Jacques Honorat a investi son honneur au service d'Haïti, confronté à une crise menaçant sa souveraineté nationale à l'époque. En tant qu'intellectuel et écrivain, Jean-Jacques Honorat a su exprimer les aspirations et les rêves de notre nation. Il a pu capter l'essence de notre culture, illuminer notre histoire et façonner notre identité. Ces écrits resteront comme une fenêtre ouverte sur notre passé, une source d'inspiration les générations futures qui chercheront à comprendre pourquoi ne sommes-nous pas encore arrivés à changer nos cauchemars en rêves inspirants. Comme citoyen, il a épousé les valeurs de responsabilité et d'intégrité. Son engagement le bien-être de sa famille et de ses concitoyens est proverbial.
parcours démontre que la réussite professionnelle et la dévotion à sa patrie étaient harmonieusement entrelacées pour le bien commun. Ses réalisations comme technocrate ont laissé une marque indélébile. Son esprit analytique et ses compétences exceptionnelles ont tracé la voie de responsabilité osée pour tenter de sortir le pays du chaos autoritaire rétrograde en 1991. Sa vision audacieuse et sa volonté à anticiper les besoins de meilleures perspectives pour notre nation n'ont pas toujours été comprises. Comme défenseur des droits humains, il a incarné l'idée que chaque citoyen, indépendamment de sa position ou de son origine, méritait dignité et respect. Il a lutté pour que les voix des marginalisés soient entendues, pour que les droits fondamentaux de chacun soient protégés et pour que l'égalité prévale dans tous les coins de notre société. Comme Premier ministre, il a assumé le fardeau de la direction gouvernementale du pays dans des temps difficiles. Son expérience de responsabilité en 1991 a été un moment crucial de notre histoire, un moment où deux bonnes fois, il avait engagé ses compétences, sa sagesse et son dévouement pour tenter d'éclairer notre chemin vers une nouvelle ère, mettant l'intérêt de la nation au-dessus de son prestige personnel. L'ex-premier ministre Jean-Jacques Honorat est parti pour au-delà dans le contexte d'une très grave crise sociopolitique qui affecte notre pays depuis quelque temps. Des citoyens et citoyennes sont kidnappés et retenus en captivité. Certains, depuis plus de 6 semaines. Parmi eux, l'ancien président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Poco, le docteur Samson Marseille et le docteur Raymond Grandpierre. Ce dernier, dont l'épouse, Madame Jocelyne Grandpierre, est décédée il y a 1 semaine, alors que son mari est encore entre les mains des kidnappés. Nous sommes également très préoccupés par la situation des deux sœurs Jean-Louis, kidnappées à Gantier depuis le 26 juin, il y a plus de mois. Elles ont été enlevées chez elles alors qu'elles s'occupaient des funérailles de leur mère. Que de nouvelles macabres qui accablent notre pays. Encore sous le choc du décès de l'ex-premier ministre Jean-Jacques Honorat, survient la mauvaise nouvelle de la mort foudroyante de l'emblématique journaliste Liliane Pierre-Paul de Radio Kiskeya, suivie de celle de l'ex-président Boniface Alexandre. Honneur à Jean-Jacques Honorat, qui a pris le temps de s'engager dans un contexte difficile comme Premier ministre pour servir ses concitoyennes et ses concitoyens. Le gouvernement de la République s'incline aujourd'hui devant la dépouille mortelle de l'homme et salue la mémoire du militant des droits humains, et en particulier du chef du gouvernement qui a pris des décisions difficiles dans un contexte d'explosion sociale. En ce jour consacré à ses funérailles, nous voulons rendre hommage mérité à Jean-Jacques Honorat, qui
qui a servi la société pendant des années en tant que professeur d'université et militant des droits humains. Nous nous souvenons hier encore du responsable du Centre haïtien des droits et libertés, Chanel, dans son local de la rue des Marguerites, où il recevait de nombreux citoyens et responsables d'organisation en quelques services de ce centre de référence à l'époque pour la protection des libertés et des droits fondamentaux. On l'entend encore hier, comme si c'était hier, dans sa conférence sur le développement technologique, le colonialisme et le merveilleux, où il aborde la problématique du développement et de l'aide, de l'inégalité des échanges et des transformations souhaitées et souhaitables pour construire un pays autonome, libéré des contraintes de la dépendance. Son discours sur le développement est actuel quand il parle de nationalisation des habitudes de consommation. Son insistance sur le choix du développement technologique est capitale pour le renouveau de ce pays. Ce pays qui nous est cher à tous. Avant-gardiste, il avait bien compris aussi, comme professeur, la place et l'importance de la langue maternelle, le créole, comme outil et objet d'enseignement. Jean-Jacques Laurat proposait de rompre avec un enseignement élitiste en proposant une pédagogie active basée sur la reconnaissance définitive du créole comme langue maternelle de l'haïtien. En ces moments de paix, nous nous remémorons les nombreuses contributions du Premier ministre Honorat à la valorisation de notre société. Son amour pour son pays, sa passion pour la justice et son désir ardent de voir une Haïti juste, unie, forte et prospère ont été parmi ses plus grandes préoccupations qu'on retrouve à travers ses ouvrages de presse. Jean-Jacques Laurat faisait peu cas de l'activage politique. Il croyait à la force de la démocratie et à la capacité des citoyens à construire collectivement un avenir meilleur. Il a montré que la volonté politique et la détermination sont des leviers puissants pour le progrès de l'homme. En tant que nation, nous devons transformer ce départ en énergie positive, en nous engageant à honorer la mémoire de Jean-Jacques Laurat par notre dévouement à servir notre pays. Nous devons nous rappeler qu'Haïti a besoin